Il dit quoi? Comment tu vas? C'est bon? Tiens. Comment allez-vous? Moi, comment tu vas? Ça va bien? Ça va? Ça va? Comment allez-vous? Comment allez-vous, s'il vous plaît? Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va? Comment allez-vous? Ça peut aller? Vous êtes ma deuxième famille et j'aime me connecter à vous. Si vous allez bien, je vais bien. Si vous allez mal, je vais mal. Vous êtes ma deuxième famille parce que vous êtes mes amis, ma famille virtuelle. Comment allez-vous? Si vous allez bien, je vais bien. Et vous savez que je vais très mal. Le lieu est touché. C'était difficile pour moi. Ne vous inquiétez pas. Je ne peux dire mot. C'est compliqué. C'est fort. Ça va aller. Comment allez-vous? Le frappeur va revenir bientôt. Et je pense que c'est pour prendre le pouls un petit peu de votre morale. De votre morale et pour savoir comment allez-vous. C'est très puissant. C'est fort. Je sais pas. Oh Seigneur. Je n'ai encore rien dit encore. Mais je vais parler. Nous allons laisser un temps passer. Quelques minutes passées
que j'ai passé. Et ça va être bon. Ok. Je ne pleure jamais, je ne pleure jamais. Je ne pleure jamais. J'ai mis la vidéo, je ne voulais pas. Mais je pleure. Parce que j'ai mal. J'ai très mal. Je vais parler demain ou après-demain. J'ai mal. J'ai très mal. Parce que, voilà. J'attends le voir autorisé s'exprimer. Et je vais parler. J'aurai un témoignage un jour. Pas aujourd'hui. J'ai perdu un père. J'ai perdu quelqu'un. Je n'ai pas cru. Je ne crois pas. Je ne crois pas. C'est bon. Je vois quelqu'un qui a tenté de rigoler sur ma page. Oui, 5 minutes, s'il te plaît. Non, moi, il n'a pas attendu. Ok, dès qu'il vient, il n'y a pas de problème. J'arrive. Je suis en direct, monsieur. J'arrive. Je suis en direct. Donc, je veux vous dire une chose. De ne pas attendre que je puisse parler ce soir. Non. Demain, je parlerai. Parce que demain, c'est un autre jour. Et chaque jour est une vie. Une vie importante. Demain, je parlerai. Je ne sais pas si demain. Je suis choqué. On y va, non? On y va. S'il te plaît. À demain, les gars. Tiens, Jean. On y va. Prends ça, non? Je m'accueille, là. Je m'accueille, on y va. On va se parler demain, Inch'Allah. Il n'y a rien. T'as pris la clé, hein? Hein? Le truc là, s'il te plaît. Mon vieux, comment tu vas? Mon vieux IB. Et ça, tu es calé ici. Je n'ai pas dit ton nom. Voilà. Vous parlez de. Je n'ai pas vous parler de. C'est bon? On va écouter un truc, on va se séparer. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse énormément. Bon, je vois les militants. Je vois certaines personnes qui rigolent. Je ne vois pas pourquoi rigoler. Je ne sais pas pourquoi rigoler. Je vois quelqu'un rigoler là. Tu rigoles quoi? Tu rigoles ta mère? Ou tu rigoles ton père? Tu rigoles ta mère ou tu rigoles ton père? Attends, vous ces bâtards là, ces fils de pute là. 2 secondes là. Attends, je vois ton compte et puis je te bloque. Je sais pas ce que tu rigoles, je sais pas que tu rigoles. Je sais pas si ta maman t'a dit que c'était, comment dirais-je, un théâtre. Je sais pas. Et te bloque. Je sais pas. Il est où là, ce bâtard là? Oh putain. Moi, ces bâtards là. Pardon. Oh, c'est bâtard là, Tidon. Tu es où là, c'est. Oh, Tidon. Viens ici là. Allons de l'autre côté. Allons. Il y a un fils de chien là que j'ai bloqué là. Ma merde. Fatim, comment tu vas la plus belle? J'espère que tu vas bien. Ouais, là c'est mieux. Oh. Ouais, merci. Non, mais ça. Merci, mon petit. Ok, merci. Il est où là, ce bâtard là? Vous voyez? Vous me regardez, regardez bien, regardez ici, regardez là. Regardez là. Vous voyez, voici des gens qui rigolent. Ils rigolent. Voilà.
Il rigole. Voilà. Il rigole. Il rigole. Ils sont contents. Vous voyez, c'est quand même malheureux. C'est quand même malheureux. Des gens qui rigolent sont contents. C'est quand même triste, hein. Mais triste. Vous voyez? Vous voyez? Vous voyez? Voilà. Ça rigole. Ah, Adama, on peut faire ça. Tu vois? Tu vois? Mais c'est quand même triste. Je suppose que parmi vous, c'est une erreur de frappe. Et je ne suis pas en direct là. Moi, je ne suis pas en direct. Hein. Voilà. En journée là, quand j'étais en direct là, il y avait plus de 6000 et quelques personnes connectées. Tout à l'heure, quand j'étais en direct là. Donc, je ne suis pas dans la visibilité. Voilà. Donc, quand on veut m'attaquer là, on vient en politique. Tout à l'heure, j'étais en direct. J'ai framponné de 17h, de 18h, de 19h, de 18h jusqu'à 20h. J'ai framponné à 1h30. Là, il fait la politique. Ici, ce n'est pas politique. Je viens seulement vous dire que est-ce que vous allez bien, c'est tout. Ah ben, le maître des morts, ça sert à quoi? Ça sert à rien. Le maître des morts. Étant en journée, j'étais 6000 et quelques en direct, en tard. Et puis, il n'y a rien. Là, je n'ai même pas dit quelque chose. Est-ce que j'ai parlé? Je pleure, c'est tout. Je pleure. J'ai parlé un jour. Je pleure. Je pleure. Oui, je pleure. Parce que j'ai les larmes. Voilà. Voilà. Je pleure. En journée là, voilà ça ici. En journée là, voilà ça ici. Voilà. C'est voilà ça en journée ici là. Voici le compteur qui est là, tu as vu? En journée là, ici là. Il était à 6000 et quelques personnes connectées. Là c'était en journée ça. Voilà. C'est ça le frapponneur. Le B52. C'est lui qui est là. Aujourd'hui là, vers les 19h. 6000 et quelques personnes. Plus de 6500 connectés sur Facebook. Lui seul. Le Daichi. Voilà, les activistes, c'est moi. Mais c'est pas ça qu'on regarde. On n'a pas besoin de ça. On a besoin, n'est-ce pas, d'être crédible, c'est l'essentiel. Voilà, on s'en fout des visibilités. On s'en fout de ça. Voilà. Merci beaucoup à vous. On va s'arrêter là. Je n'ai pas prononcé le nom de quelqu'un. On va juste écouter quelque chose. Écoutez un peu. Monsieur le ministre. Tu restes en entendant là.
Ernesto Djedje a chanté un homme. Je n'ai pas encore parlé de l'homme. J'attends d'abord que son fils, qui est aujourd'hui dévasté, son parti politique, sa famille, puisse s'exprimer avant que je parle. Ouais, j'attends d'abord que son fils puisse s'exprimer. Son fils, qu'il a envoyé pour aller montrer sa sépulture, là où il souhaitait être enterré, puisse s'exprimer avant que je puisse parler. J'attends que son parti puisse parler avant que je puisse parler. J'attends que vraiment on nous annonce officiellement des choses. Tout mes respects, toujours. Merci. Là, il m'a cassé, il m'a apporté un peu de sourire. Tu vois, on attend que le parti, son fils et autres personnalités puissent s'exprimer avant qu'on va parler. Pour l'instant, nous sommes choqués. Nous sommes abasourdis. On a reçu un coup de massue. Aux environs de cet après-midi, je ne pourrais pas dire en soirée, j'ai reçu un appel pressant, un appel pressant d'Éléonore qui m'a fait cas d'une situation gravissime, puisque c'est le même peuple. Elle m'a fait cas d'une situation compliquée de rentrer dans mes réseaux. Je n'ai pas cru, malgré qu'on m'envoyait des photos me disant que il y avait, même au niveau de la résidence, il y avait un déploiement des policiers. Dès le soir, on dit ça, ça veut dire que la situation est cuite. Mais j'étais dans le déni, puisque je ne croyais pas. J'ai fait 2 heures dans ma voiture. Quand j'ai échangé avec Fatim le Diamant, quand j'ai échangé avec mes camarades de la Dream Team, les informations tombaient. Et je suis arrivé à un rendez-vous. J'ai fait 2 heures dans ma voiture, je suis pas sorti. Je dis bien 2 heures. Parce que, bon, les informations qui me revenaient étaient vraiment très néfastes. Voilà, étaient, comment dire, négatives. Donc je ne pouvais pas croire. Mais, par contre, je me dis que ce qui s'est passé, je ne pourrais pas dire la situation que j'ai appris au niveau sanitaire, n'était pas gravissime pour l'emporter. Ben, je me souviens quand j'étais à la cathédrale où il y a eu un petit malaise, il y a eu la polémique sur la toile. Donc j'ai minimisé la chose. Bref. Je pense qu'il y en a qui sont... Il y a quelqu'un qui rigole là. Il y a des personnes qui sont là, qui sont en train de rigoler. Et c'est pas vous rigoler de quoi. Peut-être que c'est une erreur. Sinon, je vais bloquer la personne. Et d'ailleurs, toutes les personnes que je vais bloquer peuvent venir dans mon WhatsApp. Me dire que c'est une erreur. Ben, je bloque maintenant, c'est mieux. J'ai vu un homme en Christ qui rigole. Donc je niais, je suis dans un déni total. Parce que dès l'instant, on t'annonce une nouvelle. Pour le moment, je vais laisser toute la plénitude officiel, n'est-ce pas, à son parti de nous annoncer ce que vous avez appris. Mais pour le moment, nous, on ne sait rien. Voilà, pour le moment, nous, on ne connaît rien. Ça, je le dis, je ne sais rien, je ne connais rien. Voilà. Ce qui a été annoncé, bon, je ne sais rien, je ne connais rien. Voilà. Et après, nous allons maintenant parler. Voilà. Donc aujourd'hui, là, c'est juste, on a appris quelque chose. On a appris une nouvelle tragique. Et je pleurais seul. Seuls mes GAFA ont caché mes larmes. Parce que les RDR vont prendre mes larmes où je pleure pour faire de ça quelque chose de satirique. Quelque chose de rigolo. Alors que ce n'est pas ça. Voilà. Si tout à l'heure j'ai voulu m'enlever mes lunettes, mais c'est pas bon. On ne veut pas la comédie ici là. Parce qu'on ne veut pas. Mais avant même de faire le direct là, Fatim de Diamant est là. Et j'ai dit, mais est-ce que c'est bon? Parce que vraiment, je ne me sens pas. Je ne me sens pas. Je ne suis pas bien. Je suis triste, très triste. Voilà. Je suis très triste. J'ai demandé à certains de mes proches, c'est tout.
Et c'est très triste. Mais comme j'ai une deuxième famille qui est vous, et que personne ne peut vous tromper en matière de quelque chose, donc voilà pourquoi je suis obligé de vous faire une petite sortie pour vous dire que je vais mal. Au moment où je suis à cheval, en train de faire un combat dur au Niger, où j'ai perdu la voix, j'ai une nécessité de voix. Cette nouvelle, vous savez qu'elle n'est pas réalisable pour moi. Vous pouvez imaginer un petit peu. Au moment que je suis un front de communication qui est très difficile pour moi actuellement. C'est difficile en matière d'énergie. Et je perds, comment dirais-je, au niveau de ma voix, c'est difficile. Actuellement, je suis sur tous les fronts. Vous voyez, donc c'est difficile quand je vais apprendre cela. Ça va casser ma dynamique. Ça va casser, vous voyez, c'est compliqué. Alors que dans un combat, il y a quand même, dans un match de football, il y a quand même des personnes de ressources qui dorment, qui mouillent les maillots. Il y en a qui sont en attaque, il y en a qui sont en défense, et j'en passe. Vous savez que je suis un attaquant de pointe. Et vous voyez un petit peu, sur le Paris Celtic, prendre un moment donné, c'est difficile. J'ai pris un grand coup. Donc je suis obligé de vous sortir pour vous exprimer un petit peu que ça ne va pas chez votre frappeur. Chez vous tous, je vais m'exprimer. De la meilleure des manières, mes amis de la Dream Team sont aujourd'hui en train de pleurer. Ils pleurent, ça pleure. C'est qui ça me dit? Attendez deux secondes là. Ne quittez pas. Je suis en direct. Non, vas-y, allez, tu dis, allô? Non, moi, je ne sais pas, mais reviens. Je suis trompé. Maman, je suis choqué. Maman, je suis choqué. Maman, laisse tomber. Laisse tomber. Attends, non, une minute. Allô. Allô. Oui, donc on s'appelle le chat de l'épine qui s'appelle. Attends, maman, merci. Ok. Je veux voir le commentaire, c'est pour ça. Ah non, ici c'est bon, envoie. Ah ouais, attends. Attends, je vais bloquer.
Merci beaucoup. J'ai bloqué une personne là. Merci beaucoup. J'ai pas l'image. Son image. Merci beaucoup. J'ai pas l'image de la personne là. J'ai pas l'image là. Il y a un certain Tano Kofi ici qui est en train de. Il est où là? Montez-le moi, je vais le bloquer, dis donc. Oh Seigneur. Et aussi cet enfant de bâtard là, s'il vous plaît. Montez-le moi, s'il vous plaît. Oh. S'il vous plaît. Montez-le moi là, s'il vous plaît. Il est où là, cet Tano Kofi là? Je ne le trouve pas, il y a beaucoup de Tano Kofi que je trouve là. Regardez là. Oh. Regardez. Il y a beaucoup de Tano Kofi là, je ne le trouve pas, il est où là? Attends. Envoyez-moi la capture de sa page, s'il vous plaît, la capture de sa page. C'est Tano Kofi là. Envoyez-moi la capture de sa page. Il pense, je ne vais pas bloquer quelqu'un comme ça innocemment. Take me vis. Voilà, je n'ai pas envie de bloquer quelqu'un, regardez là. Il y a beaucoup de Tano Kofi là, donc dites-moi c'est lequel. Voilà, pour qu'il bloque, n'est-ce pas, ce cafard. Il est où? Montez-le-moi, s'il vous plaît. Il est où, s'il vous plaît? Baba Nicolo. Il est où, Baba Nicolo? Montez-le-moi, s'il vous plaît, attendez. 2 secondes là. Ok. On n'a pas trouvé. Voilà, ok, je l'ai vu. On va laisser. C'est difficile, c'est fort. J'ai beaucoup de choses à vous parler. Le patriarche est parti. J'ai beaucoup à vous dire. Parce que le patriarche a dépensé. Je n'ai pas encore dit son nom.
Je n'ai pas encore prononcé son nom. Non. Je tenais à rendre un hommage à nos camarades de la Dream Team. Mes condoléances les plus attristées. À vous qui aujourd'hui pleurez. Vous qui êtes nombreux, m'avez écrit, m'avez appelé. Je ne pouvais même pas décrocher. Parce que j'étais dans mes réseaux pour avoir l'information. J'étais dans le déni total. Fatim Ledema est témoin. Comment dirais-je, tous mes camarades sont témoins que je ne voulais même pas avoir. Je dis que je ne voulais même pas attendre, je veux l'information. On dit voici la preuve, je dis je ne veux pas. J'ai infirmé. Puisque je sais, et j'aurai le temps de vous parler. Pour le moment, laissons les autorités du PDCI RDA nous annoncer la nouvelle. Laissons son fils, que le président Guillaume Soro, qu'il a pris, qu'il a tapé la main et l'a envoyé là où il souhaiterait être enterré. Laissons, comment dirais-je, les autorités de Côte d'Ivoire également annoncer. Nous annonçons la nouvelle. On va maintenant faire notre deuil. Pour l'instant, on laisse la main à ces unies personnalités du PDCI, son fils et sans oublier sa famille biologique, nous annoncer Tango, le deuil. Pour le moment, nous sommes ici dans les supputations. Voilà, parce que moi, c'est mon père. Je ne pense pas qu'il est parti. Je ne pense pas, il est là. Il n'est pas parti. Il peut pas aller. Voilà, parce que c'est mon vieux. Je vais vous dire ceci. Vous allez avoir un signe. Et le signe que vous allez avoir va venir du PDCI RDA. Le signe que vous allez avoir va venir du PDCI RDA. Le signe que vous allez avoir va venir du PDCI RDA. Le temps que les ténèbres prennent fin. Il y a trop de bruit. Attendez. Take my baffe. Baf, haut-parleur. Black, it's black. Mon haut-parleur, mon bluetooth, s'il te plaît. C'est noir, c'est un peu grand là, s'il te plaît. C'est le bluetooth, il est juste là. Juste là, juste là. Pascal, ce côté là, oui. Derrière, regarde derrière. T'as vu les baffes noires, s'il te plaît. T'as trouvé ou pas? Merci, merci. On va écouter la vidéo là. Qui veut intervenir ici là? Celui qui a envoyé l'invitation, attends, je vais le prendre. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On va écouter ceci, c'est bon. On va écouter ici. Allô, oui, bonsoir. Allô? Bonsoir. Oui, bonsoir, comment tu vas? Allô? Non. Oui, ça allô? T'as envoyé une invitation là, les nouvelles, s'il te plaît. Oh non, il n'y a rien, c'est un bonsoir, mon vieux. Ah, ton vieux n'est pas bien aujourd'hui, hein? Et moi-même là, je suis trop découragé. Tu as fait là, non? C'est moi, je comprends, on comprend l'affaire là. Oui, mais c'est toi-même, comme toi, tu as tenu à parler de ça là, donc je crois. Je moi, te suis passé. J'ai dit que j'étais des personnes. On est aussi en train de parler. Oui. J'ai dit que c'est pas vrai, dis donc. Ne me dérangez pas. Alors que je suis assis dans la voiture, donc le B52, en train de checker. J'ai mon. Oui, oui, moi, mais j'ai mon petit frère même là. Qui est dans le réseau. Mm-hmm. Il l'a appelé. Oui. On part tout d'ici. Oui. Attends, je t'envoie une photo là. T'en occupe pas. Hein. J'ai envoyé une photo à une personne qui va reconnaître la personne. Attends. Aya, n'équipe pas. Aya, faut regarder ton WhatsApp là. Regarde ton WhatsApp. Mmh. Mais il faut qu'on cache maintenant les noms parce que les gens aiment trop. Il y a trop de gougnons sur la toile là. Vous allez voir quelque chose là. Je vais envoyer un appel. Voilà, voilà. L'appel aux. On est, il fait que les. Voilà, regarde ici. À partir de. Très bien. Voilà. Il m'appelle. Il me dit que. Il m'appelle plusieurs fois. Il dit non. Il dit sous les. Et puis c'est vrai.
Il m'a dit que Joe, tu as me dit que c'est vrai ou c'est pas vrai, tu vois. Il m'appelle, l'insiste. C'est un gars du RADP. Et vraiment, il m'a. Tu vois, il me donne les sons là. C'est très propre. Je n'ai pas cru. Et non, laisse ça. Il est OK. Tu vas voir. Ce que je te dis là. Tu vas voir. Voilà. Donc, courage, là, va là, j'arrive, n'est-ce pas, à mon lieu de chute. J'ai fait 2 heures. Je cherchais dans la voiture. Et tu as assis. Il dit non, c'est pas vrai. Je tape dans tous les réseaux. Et j'apprends que ils ont bouclé chez le président. Et... j'ai des photos hein, qui sont avec moi, que personne n'a. Il y a des photos où la police avait déjà commencé à boucler le secteur. Attends, je vais monter les photos là parce que les gens vont voir que. Je fais comme... Attendez, je vais monter les photos là un peu. Mais ce n'est pas des photos publiques. Vous savez que sur les paris, il aime bien enquêter. Vous me connaissez. Oui, hein. Regardez ici là. Voilà. Vous voyez, il n'y a pas de numéro de téléphone. Dieu merci. Vous voyez, c'est mon petit. Vous voyez, c'est mon petit, n'est-ce pas? Ben, c'est un de mes petits qui est avec dans le dispositif du président Bédier. Et donc, c'est là qu'il m'envoie, voilà, il m'envoie les images et il m'explique. Là, il est 22h58 à Paris. En ce moment, il est 20h58 à Abidjan. Il m'envoie le truc. Il me dit que, voilà, il me dit donc qu'il y a un déploiement là-bas de forces de l'ordre autour de chez le papa. Je lui ai dit que ça. Il faut regarder mon message que je l'ai écrit. Je lui ai dit. Voilà, regarde le message, voilà. Regarde là. Il a laissé un vocal. Je vais effacer son vocal parce qu'ils vont voir que quelqu'un m'a écrit. Voilà. Je vais effacer son vocal. Voilà. Regarde là. Regardez-y. Dès qu'il m'envoie ça, les photos, et je lui dis, ce n'est pas bon, hein. Ce n'est pas bon ça. Tu vois, ce n'est pas bon ça. C'est-à-dire que tellement que j'étais dans le déni, je lui ai demandé, c'est-à-dire que, je ne sais pas. Dans l'instant, on dit que la police a pris la situation en main, ils ont déployé un système de sécurité renforcé. Je me suis dit non, c'est pas bon. C'est pas bon. Voilà. Là, j'ai compris que c'était la cuite. Voilà. Bon. Comme nous ne sommes pas des annonceurs de cadavres ou de morts, et surtout, nous ne sommes pas dans cette position. Je suis dans le déni. Voilà. Donc, on me dit donc qu'ils ont déployé des personnes qui sont bon. Quand j'ai dit que le nom m'appelait au téléphone tout à l'heure, et d'autres personnes, J'ai pris le soin d'appeler. J'ai appelé dans mes réseaux, d'où même mon petit là-bas et d'autres personnes du protocole et certaines IPDCI qui sont vraiment replacées. Il me dit non, qu'il a été évacué du village. Une cigarette. Demande à mon mec qui est dans ma voiture là. Donc je décide d'appeler. Et tous, bon, il dit non, comme si on connaît les baoulés, on connaît les amis, les attaquants. Ils n'annoncent pas les deuils comme ça. Après, il dit que laissons-les faire. Qui vient nous annoncer les deuils de quelqu'un? Dit de la personnalité. C'est tout. S'ils nous annoncent, on va parler. Mais pour l'instant, là, le vieux est là. Ah oui, 2 secondes. Il nous a envoyé. Il y a une vidéo que Patim nous a envoyé là. Voilà, merci beaucoup, Judas. Regardez ici, regarde la vidéo là, que Judas vient de m'envoyer là. Et vous allez écouter la vidéo. C'est fort.
Écoutez bien. La prévision, ou bien comme ça, comme la prophétie d'un homme de Dieu, comme envoyé là. On va jouer ça pour voir ce qu'il dit. On va l'écouter. Je vais vous dire ceci. Vous allez avoir un signe. Je vais vous dire ceci. Vous allez avoir un signe. Le signe que vous allez avoir va venir du PDCIRDA. Le signe que vous allez avoir va venir du PDCIRDA. Le signe que vous allez avoir va venir du PDCIRDA. Le temps pour que les ténèbres prennent fin sont accomplis. Et quand je vous parle d'accompli, je vous parle de maintenant où je suis en train de vous parler. Et je vous dis, le signe de la manifestation de la lumière va venir du PDCIRDA. Parce que le PDCIRDA va être frappé par un deuil. Auquel il ne s'attend pas. Ce parti va être frappé par un deuil. Auquel il ne s'attend même pas du tout. Il n'aura même pas vu ça venir. Alors que je vous parle. Alors que je suis en train de vous parler. Vous allez voir ça. Mais de façon assez rapide. Tout le monde va être surpris par la nouvelle. Tout le monde va être surpris. Parce que personne n'aura vu ça venir. Ceci marquera la fin d'une ère. Et le début d'une nouvelle ère qui se lève sous votre nation. Vous voyez, vous avez écouté encore, non? On va réécouter la prophétie qui avait été déjà annoncée par un homme de Dieu. Voilà, je vais mettre ceci devant. Parce qu'on m'a envoyé, je vais mettre ça pour que vous voyez. On va écouter ensemble. Parce que là, moi, je suis dépassé, maman. Je suis dépassé. Auquel il ne s'attend pas. Ce parti va être frappé par un deuil. Auquel il ne s'attend même pas du tout. Il n'aura même pas vu ça venir. Alors que je vous parle. Alors que je suis en train de vous parler. Vous allez voir ça. Mais de façon assez rapide. Tout le monde va être surpris par la nouvelle. Tout le monde va être surpris par la nouvelle. Parce que personne n'aura vu ça venir. Ce signe marquera la fin d'une ère. Ce signe marquera la fin d'une ère. Et le début d'une nouvelle ère qui s'élève sur votre nation. Allô, oui, bonsoir. Comment tu vas? Bonsoir, mon grand frère. Comment tu vas? Très triste. Merci beaucoup. Très choqué, très triste. Merci beaucoup. Tu as envoyé une invitation. Oui. Je pense que tu veux exprimer, tu veux retransmettre ton émotion, tes émotions, ta tristesse et ta compassion. Et donc, aujourd'hui, c'est un deuil qui nous frappe à tous. Et je vais d'abord, n'écoute pas, je vais d'abord informer tout un chacun que nous allons faire des tribunes. On va rendre un hommage très, très appuyé. Et vous me connaissez. Exact. On va rendre ça très puissant. Et tout le monde, les nordistes, les sudistes, les estistes, les ouestistes, les centristes, oui, les Africains vont venir témoigner. Ouais. La vie et le parcours d'un patriarche, un homme de paix. Ouais. Je dis bien un homme de paix. Non, un homme de paix, un grand homme de paix. Je te laisse parler, on t'écoute. Comment lui dit, comment tu vas? Moi, ça va, mais pas terriblement du tout, parce que j'ai été frappée par ce deuil comme si c'était un membre de ma famille qui est parti. Mm-hmm. Parce que nous avons tous grandi avec ce visage et cet homme de paix, derrière qui on n'a jamais vu des violences. Invitation, n'écoutez pas. Ceux qui veulent intervenir, pour envoyer invitation ici, il n'y a pas de problème. Je vous prends, il y a Déo Fall, voilà, il n'y a pas de problème. Vous avez invitation, tranquillement, vous allez intervenir. C'est votre page, c'est pas ma page, c'est pour vous la page. C'est votre lieu de communication. On y va.
Vas-y, vas-y, ma petite soeur. Donc, je souhaiterais, mon grand frère, vraiment que tu mettes une communication en place où chacun de nous pourra lui rendre un hommage appuyé. Et il faut que tout le monde prenne ce deuil comme un deuil national et non un deuil d'un parti. C'est le PP de tout le monde qui est parti aujourd'hui. C'est le conciliateur qui est parti. C'est l'homme de paix qui est parti. C'est celui-là même qui n'accepte pas que les gens se disputent qui est parti. Et j'ai très mal. J'ai très mal parce que nous avons très mal. Nous avons très mal parce que les gens ne mesurent pas la disparition d'un centenaire. Parce que c'était un centenaire. Exact. C'était un centenaire. C'est un bamba qui est tombé. Laissons la politique là. C'est un patriarche qui est tombé. Laissons la politique. D'autres peuvent ricaner. Mais ce n'est pas n'importe qui est tombé. C'est l'histoire de notre pays qui est tombé. Et cette histoire, elle va se pérenniser à travers la loi et les actes de Dieu. Pourquoi? Exact. Parce que nous sommes mortels. Le président Oufo-Boigny est passé. Le président Bédié est passé. Ouais. Et même c'est écrit. Et c'est chanté. Ce monde va passer. Ce monde va passer. Ce monde va passer. Oh. C'est Jésus ne passe. Ça, les chrétiens le chantent tous les jours. Ce monde passera. Vous voyez, l'histoire, il a écrit sa part des choses, l'histoire. Comme tu es là, ne quitte pas, il y a, comment dirais-je, il y a Deo Fallo qui est là, Fallo qui est là. On va laisser Deo Fallo à côté. On va prendre la galanterie masculine, toujours primée, notre petite soeur, ma petite soeur chérie, qui est là. Comment tu vas? Ça va. Pas trop. Ça va? Donc. Et le moral? Par terre. À terre. Le moral est à terre. Ne quitte pas. Hein. Il y a beaucoup d'invitations, ne quittez pas. Deux fois, je vais parler maintenant parce que j'ai voulu parler de ma petite soeur qui avait envoyé l'invitation. Mais... Vas-y, je vais te laisser prendre les autres et après je te reprends. Oh, merci beaucoup, pas de problème. Deux, on merci y va. Oui, saoulé. Salut. Oui. Ne mettez pas les pleurs. Quand vous mettez les pleurs, ça bloque la vidéo. S'il vous plaît. D'accord. Parce que Facebook, les algorithmes, et ils pensent que c'est une affaire triste ou bien quelqu'un se suicide, voilà, ou quelqu'un, voilà. Donc, ne mettez d'accord. pas, comment dirais-je, les pleurs. D'accord. Ça bloque la vidéo, s'il vous plaît. Ne mettez pas les pleurs en commentaire. Mettez plus que d'accord. le cœur pour le président Bédié. Mettez le cœur. D'accord. Mettez le cœur. Mettez le cœur. Parce que face au drame, on doit rester fort. Quand vous partez enterrer quelqu'un, ou bien prier pour la personne, vous mettez beaucoup de fleurs. Pourquoi vous le faites? Vous le faites parce que pourquoi la personne, pour vous, elle est une personne, vous voyez, ça en train de monter là, ça en train de monter. Parce que le fait de mettre, comment dire, les pleurs, Facebook, les algorithmes peuvent cibler comme étant une vidéo néfaste pour, comment dire, la communauté. Donc mettez le cœur, vous allez voir que ça va monter. Mettez le cœur, mettez le cœur, mettez le cœur pour le président, mettez le cœur, vous allez voir que ça va monter. C'est ainsi, mettez le cœur, vous allez voir. Voilà, dans les secondes, vous mettez beaucoup de pleurs, et c'est les machines, c'est les robots. Il s'est dit que non, il y a quelque chose qui ne va pas. Oui. Donc, eux, systématiquement, ils vont là-bas, ils bloquent la vidéo avant de vérifier. Ouais, non, vous êtes de monter là, vous voyez. On peut quitter de 2200 directement à 1500. C'est qu'il y a un problème. Donc, montez. Montez et mettez seulement que le cœur. Mettez le cœur. Nous ne sommes pas à joie, mais mettez le cœur. Vous avez vu, non? Mettez les condoléances et vous mettez le cœur dans les condoléances. Vous avez vu, non? De 1400, on monte automatiquement à 1600. Ça veut dire que c'est les robots qui sont sur Facebook. Les algorithmes, donc ça prend. Merci beaucoup, la plus belle. Tu vois, non, ça prend. Vous avez vu, dès l'instant où vous mettez le cœur, vous avez vu, c'est systématique, hein? C'est automatique, c'est des robots. Donc, dès l'instant où vous mettez le cœur, ça monte. Vous mettez tête, vous mettez, comment dire, les pleurs, tout. Donc, et puis les larmes, on dit, mais peut-être que quelqu'un est en train de se. Voilà, de se. Vous voyez, non? Et puis, ça bloque la vidéo, ça descend l'audience pour voir que ça monte en puissance. Voilà. De haut, fallait, on t'écoute, c'est vrai. Salut. Allô? Tout le monde, salut, comment tu vas?
Et le moral? Toi, on peut dire que ça va. Alors, je veux m'adresser à tout le monde. Oui. Et c'est pour dire que, à travers cette triste nouvelle, je voulais dire à tout le monde que tout est dynamisme et que la fin de toute chose marque le début d'une autre ère, selon ce que nous enseigne Hegel. Et par ces paroles, par ces phrases, par cette phrase, on dit tous merci à Bédier. Et il n'y a pas que moi, mais on est tous bien plein de monde à avoir pensé que il pouvait passer à centenaire. Vraiment. Il n'a pas pu. Vraiment, vraiment. Allez, Seigneur. Mais on accepte cela par comme une bénédiction. Alors, merci Bédier. Et que ton chemin soit. Ouais, c'est difficile. Que ton chemin soit parsemé de roses. Merci beaucoup, Bédier. Soulève. Mettez que les cœurs. Mettez pas la tristesse. Non, vas-y, parle. Mettez que les cœurs. Nous sommes dans l'émotion. Tu as raison. Mais quand vous mettez beaucoup de cœurs, beaucoup de tristesse, bah bon, mettez que les cœurs pour garder la vidéo, pour que Facebook ne puisse pas bloquer. Mettez que des cœurs. Je pense, on est triste, que Bédier aurait même voulu que nous mettions que des cœurs. Que des cœurs. Pas de tristesse. Oui, pas de tristesse. Bédier aurait voulu ça. Ouais. Ouais, ouais. Bédier aurait voulu ça. Alors que Bédier, l'action de Bédier touche le cœur de tout le monde et par ma voix de tout le monde, par la pensée de tout le monde. On dit merci tous à Bédier. Merci toutes les femmes, tout le monde à Bédier. Que son chemin soit parsemé de roses. Maman Ena Keita, vous voyez ce que je veux vous dire, chose. Nous allons faire, quand les voix autorisées vont parler, quand les voix autorisées vont ouvrir la voix, nous annoncer le deuil, nous allons ouvrir la tribune. Nous allons faire spécial président Bédier. Oui. Où les gens vont intervenir partout. Oui. Rendre témoignage. C'est un grand homme. Bédier, c'est Bédier. Oui. C'est lui et il n'y a pas d'eux. Bédier, c'est Bédier. Voilà. Et il n'y a pas d'eux. Bédier, c'est Bédier. On va ouvrir la tribune. Vous allez appeler. Ouais. Je vais mettre en place 4 numéros. Et merci. Tout le monde va appeler. Bédier. On va appeler partout. Bédier. Pour rendre hommage à ce monsieur. On attend d'abord les communiqués officiels. S'il faut ça demain, le président Guillaume Soro communique. Le gouvernement de Côte d'Ivoire communique. Oui. Le PDCI communique. Sa famille communique. Ils nous ont ouvert la voie. Ça nous donne l'autorisation maintenant de parler de l'homme d'État. Exactement. Et on va ouvrir. Bédier, c'est Bédier. On va prendre 4 heures de direct, non-stop. Même ça, c'est insuffisant. Je dis bien 4 heures. Bédier, c'est Bédier. Je m'assois de 15 heures à la maison jusqu'à 19 heures, si Dieu le veut. On assis. Chacun appelle. Chacun fait tout. Son hommage à ce monsieur. Merci. Un homme de paix. On va laisser l'autre parler, s'il te plaît. Reste là, s'il te plaît. Merci, Soulé. Alors, à tout le monde. Non, ce n'est pas seul. Il y a d'autres personnes qui sont là. Une seule famille. C'est une seule famille. Alors, je dis à tout le monde condoléances. C'est une seule famille. Allô, Déo, attends. Il y a des gens qui sont à côté de toi. Ils vont parler aussi également, n'équipe pas. Qui est là, s'il vous plaît? Il y a une personne qui est là, c'est qui? Soulé, je peux parler? Sans problème. Comment tu vas? Ça va. Ok, tu me laisses faire. Merci pour cet hommage.
Oh, je sens la gauche nouée là. Ne pleure pas. Mais... Mettez les cœurs, mettez que les cœurs, mettez que les cœurs. Mais ça va bloquer la vidéo, mettez que les cœurs. Je suis tellement triste parce que je ne suis pas en Côte d'Ivoire. Ne pleure pas. Et je garde tellement de beaux souvenirs avec le président Bédié. Seigneur. Il était comme un père pour moi. Il ne m'appelait jamais par mon prénom. Chaque fois que je le voyais, il me disait, Madame la Présidente et vos militantes. Je lui disais qu'ils vont bien. Ce soir, c'est comme si je venais de perdre pour la deuxième fois mon père. J'ai tellement... Au revoir, Souley. Bonsoir. Putain. Encore, on a choisi le bon moment, en fait. Nous avons ici en direct Fatima des Diamants. Fatima des Diamants. Julie, comment tu vas? Fatima, bonsoir, comment tu vas? Coucou Souleymane, ouais, ça va bien. C'est très rare que l'on puisse te voir. Ouais. Merci pas... beaucoup pour l'exclusivité. Au moins, on dit que mais Fatima, c'est qui? C'est quoi? C'est un homme qui est derrière l'avatar. C'est un avatar. Merci beaucoup d'être aujourd'hui là. Allez. Parce que c'est la première fois quand tu franchis, quand tu prends sur toi de franchir le Rubicon, ce que l'air est grave. Ouais. Tout mon respect, la plus belle. La tribune est pour toi. Merci. Donc, bonsoir Traoré, bonsoir à tous. Je veux juste porter mes condoléances à la famille biologique, la famille politique. Et plus personnellement, je voudrais adresser à mon président, à moi, mes sincères condoléances, le président Soro Kibafori Guillaume, qui vient de perdre son père ce soir. Que le Seigneur nous fortifie tous. Et aussi, condoléances à notre maman. Je voulais même poser la question de savoir qui est ton président. Merci que tu as renchéri. On t'écoute. Mon président Soro Kibafori Guillaume vient de perdre son père ce soir. Donc, je lui souhaite beaucoup de courage. Je souhaite aussi beaucoup de courage à notre maman Henriette. Il ne faut pas qu'on l'oublie. Elle doit être vraiment déstabilisée à l'heure qu'il est et à toute la Côte d'Ivoire. Donc, je vais libérer la ligne, Traoré. Je me fais descendre, s'il te plaît. Ton micro est coupé, Traoré. Merci beaucoup à toi. Merci beaucoup pour ton intervention. Et vraiment, c'est une première que tu interviennes sur un direct. C'est que l'heure est grave. Ben ouais. C'est la première fois que tu es sorti et puis tu as osé même, comment t'as affiché. Là, on a dit que c'était un avatar. On a dit qu'elle ne parlait pas. Elle était bobo. Tu l'as fait au nom du président Bédié. C'est que l'heure est grave. Et tu as fait des gros bisous et tu as dit merci. Merci beaucoup à toi. Bisous. Merci beaucoup. Gros bisous. Tout à l'heure. Voilà. Allez-y, nous avons ici. Vas-y, Blue, on t'écoute. Blue, on t'écoute. Il y a Blue qui est là. Il y a Blue qui est là. Allô? Allô? On vous écoute, on vous écoute. Vous êtes connecté, vous pouvez mettre votre micro, s'il vous plaît. Allô, on t'entend pas, hein? Allô? Yasmine, c'est comment tu vas? Il y a une personne qui est là, l'homme béni de oui, Dieu. Oui, grand frère, Souley. Comment tu vas? Oui, allô, grand frère Souley. Comment tu vas? Vous m'entendez? Comment ça va? Ça va pas bien, mais on peut okay, dire, on peut dire, on peut pas dire que ça va avec... Avec ce qui est arrivé là, on ne peut pas dire que ça va. Vous m'entendez? Très bien, très bien, très bien. Oh, ok. Vraiment, je suis vraiment, 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 vraiment touché parce que je suis vraiment, je ne sais pas comment, je perds les mots. Je perds vraiment les mots.
Et je suis Abidjan, je suis au niveau de Port-Bouy. Je perds vraiment les mots. Je ne sais pas quoi dire. Vraiment, un homme sage vient de nous quitter. C'est vraiment désolant pour la Côte d'Ivoire. On devait apprendre beaucoup de choses auprès de lui. C'est vraiment, vraiment quelque chose de désolant, ça. Je n'ai même plus les mots. Vraiment, je ne sais même pas quoi dire. Et ce qui me fait mal, c'est que même la télévision nationale, ils n'en parlent même pas. C'est difficile. La télévision nationale n'en parle même pas. Je suis devant la télévision nationale. Le journal est en train de passer, mais il n'y a rien, même pas d'information. C'est France 24 qui a parlé de ça. C'est désolant. Vraiment, c'est vraiment décevant. Un homme sage qui a dirigé la Côte d'Ivoire, c'est vraiment désolant. Vraiment, je ne sais même pas quoi dire. Je n'ai même pas les mots. Vraiment, c'est là le problème. Vraiment, je n'ai même pas les mots. Dans notre propre pays, monsieur béni de Dieu, comment se fait que c'est une chaîne étrangère et puis notre chaîne de télévision ou les redevances télé qui annonce le décès d'une personnalité qui plus est un ancien président de la République? Oui. C'est les États-Unis, la France qui annonce. Alors que vous payez les redevances télé pour qu'on puisse vous informer. Mais c'est quand même lamentable. On ne fera pas de polémique dessus, mais quand même, ce n'est pas normal. Nous avions eu l'information ici d'aucuns parmi nous qui ont aussi des réseaux poussés. Mais chacun a ses réseaux poussés. On dit non qu'il était décédé. Nous étions dans le déni. Moi, je suis dans le déni. Ils ont confirmé et puis ils se sont retirés, dit Soulé, c'est confirmé. Au revoir. Mais comment se fait que nous avons chez nous des Ivoiriens, les anciens présidents décèdent. Ils préfèrent donner l'information en exclusivité aux chaînes internationales pour annoncer que de faire une édition spéciale sur la chaîne publique que les Ivoiriens payent pour être informés. C'est lamentable. On n'a pas que des polémiques. Vous voyez, c'est tout ça que nous disons qu'il faut que les choses changent. Pas que obligatoirement que le régime change parce que nous sommes dans une obstination, justement des régimes parce que... Non, ce n'est pas ça. C'est parce que nous, elle est donne. Allons dire que la justice doit être impartiale. Elle doit être juste. Vous savez pourquoi? Les gens ne comprennent pas. Parce que on est tous un jour... Nous sommes tous des prisonniers ambulants. Je m'explique. Toi qui es aujourd'hui au pouvoir, la justice que tu manipules pour traquer les autres là, cette même justice également peut être manipulée pour te mettre en prison. Je prends l'exemple. L'ancien premier ministre du Mali, il était là, il est décédé en prison. Mais la justice pouvait décider de son évacuation à l'extérieur. Mais aucun juge n'a osé dire qu'il soit évacué. Il est resté en prison. Il a été mis dans une clinique. Il est décédé. On dit non, le régime a fait comme ci, comme ça. Mais la justice qui l'a mis en prison, là, un juge pouvait dire non, il faut l'évacuer. D'où l'indépendance primordiale de la justice. C'est comme les hôpitaux. Quand le plateau technique n'est pas bon, demain, là, toi, tu peux vouloir faire un IRM, ou bien des examens poussés. Mais dans les pays où tu es là, il n'y a pas cela. Parce que même les cimetières, c'est notre maison tous. Quand nous voyons un cimetière, on doit entretenir, on doit embellir, parce que c'est là-bas qu'on va finir un jour. Mais il y a la justice, il y a l'hôpital, et il y a également le cimetière, qui est notre maison à vie. Et donc, quand on demande l'indépendance de la justice, on dit non, parce qu'on est dans l'opposition. C'est peut-être demain, nous sommes tous justiciables. Le président Bédier, il est où aujourd'hui? Il est dans une morgue. Nous avons la vidéo où il est dans une morgue. Mais si on n'a pas la capacité d'accueillir son corps, on va le mettre où? Donc c'est ça que l'on se bat pour dire non, attention. Même l'information doit venir de Paris, des autres. Les Ivoiriens, qu'ils sont nombreux ici-là. Mais c'est pas parce que je l'ai... Mais ils ne payent pas de redevances télé à ceux de Paris. J'ai 80% d'audimat à Abidjan. C'est-à-dire que quand je vais dans les statistiques là, ceux qui me suivent plus sont à Abidjan. Mais il y a un problème. Alors qu'ils sont censés être informés plus que moi. Mais eux, ils viennent s'informer chez moi avant d'informer en Côte d'Ivoire. Mais c'est qu'il y a un problème. Si je vous montre les statistiques
J'en ai beaucoup au Mali, au Burkina, en France et autres. Mais le gros de mes personnes qui me suivent là, sur la toile, soit à Abidjan. C'est-à-dire que sur 100%, j'ai 70% qui sont en Côte d'Ivoire. Et dans 70% en Côte d'Ivoire, j'ai 80% qui sont à Abidjan seulement. Donc, quand je suis connecté là, en journée là, je peux monter à 10 000 personnes. Parce que ceux qui sont dans les pilotes ou tout, viennent me suivre. Et me suivre. C'est souvent les nantis ou ceux qui ont des connexions Internet qui me suivent même à 2h du matin et puis nous sommes nombreux. Le pic il y a une défaillance. Ce n'est pas France 24 annoncer la mort de notre président. Ce n'est pas comment dire, à RTI d'annoncer la mort d'un ancien chef d'État. Et comment dirais-je, ivoirien. Eh pardon, français, pardon. Ce n'est pas la RTI d'annoncer le décès d'un ancien président français ou bien italien. Mais c'est France 24 qui met en exclusivité décès du président, notre président ivoirien. Pendant ce temps, RTI, qui est payé, ou le continent ivoirien paye, et ils sont là, ils vont relayer l'information qui vient de l'extérieur. Donc, quand tu as parlé, ils vont dire que tu mets dans la politique. Vas-y, on t'écoute. Vraiment, c'est malheureux. Mais bon. On veut t'écouter, s'il vous plaît. De haut, fallait, on t'écoute. Allô? Oui, Soulé. Ouais, on est là, on t'écoute, s'il te plaît. C'est coupé, c'est pas grave. Maman Douska, elle est là, elle est dans ses pleurs là, dis donc. On va l'appeler, elle va boucler la vidéo, puis on va partir. Maman Douska, elle est dans les pleurs, c'est elle qui, depuis tout à l'heure, vraiment, c'est triste. C'est triste, cette mort, cette disparition. On est en train d'appeler Maman Douska Pokora. Voilà. Vous voyez, c'est que, je l'ai dit, quand nous faisons des combats, les gens sont là pour dire non, que nous sommes dans les accusations, mais ce n'est pas normal que c'est RFI, France 24, qui va annoncer chez nous en Côte d'Ivoire le décès de notre ancien président. C'est ça aussi notre combat. Notre combat pour que le service public puisse faire son travail en toute équité et doit rendre compte à ceux-là même qui les payent. Le service public doit retourner à ceux-là même qui payent des redevances. Ces redevances permettent, n'est-ce pas, de payer les salaires. J'ai été choqué pendant que nous sommes en train de nous battre. Zainab Nekir. Pendant que nous sommes en train de nous battre dans nos réseaux pour avoir l'information, pas la confirmation, parce que moi, je n'étais pas en train de chercher la confirmation. J'étais en train de chercher, n'est-ce pas, l'information. Puisque la femme dernière, il a fait un malaise vagal. Mais je me suis dit, bon, ça allait passer. Il veut quoi? Non, demain, juste là-bas? Oui, c'est qui? Pourquoi vous avez la tête de ce monsieur? Ok. Comment dirais-je, le président Bédier, il avait fait une crise vagale. Donc, nous ne pouvons pas, comment dirais-je, parler de ça. Mais nous, il y a eu la polémique sur la toile, mais on a eu des photos, on a publié. Donc, aujourd'hui, là, pour moi, c'est quelque chose qui n'a même pas affaire à une crise cardiaque, une crise vagale. Vagale, c'est ça le mot. Mais je me suis dit, bon, c'était passager. Donc, j'ai nié tout. Au moins que nous sommes dans nos réseaux, en train de nier les faits. Il se trouve que des chaînes, n'est-ce pas, internationales, ont déjà l'information et que notre RTI, qui doit nous donner l'exclusivité de l'information, nous dit non, était aux abonnés absents. Mais ils vont relayer quand les chaînes comme RFI, France 24 et Renews vont dire, quand ils vont regarder, ils vont dire que c'est vrai, ils vont venir publier. Voici ce que nous dénonçons. Il n'y a aucune posture partisane. C'est la posture républicaine. Puisque toi, Zainab Ayoub, qui est là, encore bienvenue. Quand tu payes ta facture de CIE, il est écrit dessus redevance télé, si je ne me trompe pas. Pourquoi tu dois être. Effectivement, redevance télé, 2000 francs. Voilà. Mais il y a un autre souci aussi. Quand tu payes la redevance télé, 2000 francs, c'est que quand tu payes la redevance télé avec la facture
de courant, d'électricité. Oui. Oui. C'est que tu n'as pas le bouquet Canal Horizon, tu ne peux pas avoir accès à la RTI. Donc, pour avoir accès à la RTI, il faut payer 2000 francs sur la facture et t'abonner sur Canal Horizon. Attends, c'est chaque mois ou c'est chaque trimestre? Chaque mois. Ah, chaque mois, vous qui avez le courant, mais c'est quoi la facture de ça? Oui, sur la facture de la redevance d'électricité, d'eau, il y a des redevances qu'on paye. Et ok, j'aimerais savoir, c'est pas moi pour la télévision, c'est quelle facture? Sur la facture d'électricité. Ah, donc celui qui habite à Bouribana, celui qui habite à Bromakete, celui qui habite à Bromakete, celui qui habite, comment dirais-je, à Yopougon, ou bien à Ouassakara, ou bien un exemple à Nyakaramadougou, à Tafiré, vous payez la même chose. Tout le monde paye la même chose, 2000 francs CFA. Ah ouais. Et donc, je suppose que vous êtes 26 millions d'habitants en Côte d'Ivoire, donc on va sur un prorata de 20 millions d'habitants, vous payez tous 2000 francs CFA par mois. 2000 francs CFA par mois. Pour avoir l'information. Oui, pour avoir la RTI. Mais pourquoi est-ce que moi je souffre alors? Pourquoi moi je souffre? Maintenant, il y a un autre point. C'est-à-dire que moi, je suis là, j'attends que vous me payez comme ça. Parce que s'il y a 10 000 personnes en Côte d'Ivoire qui me paient 3 euros par mois, ça fait 30 000 euros. Il vient de passer à la RTI le décès de Henri Conan Bédier, tout de suite. Voilà, tout de suite. Voilà. Cette question, il nous regarde là. Il dit que, dis-moi, la plus belle, oui. Si par exemple, il y a 10 000 personnes en Côte d'Ivoire qui paient 3 euros par mois, à saouler. Mais oui. Ça fait 30. Mais attends. Non, tu peux 10 000. Te reposer toute ta vie jusqu'à toi, tes arrière-enfants. Est-ce que vous savez le nombre? Attends, je vais vous montrer les statistiques. Mais on paye la RTI aussi dans le bouquet Canal. Ah bon? Et c'est que quand tu as le bouquet Canal que tu peux avoir accès à la RTI, je pense. Mais attends, finalement, ça devient quoi? Je vais vous montrer une chose. Vous allez voir les statistiques ici en direct, comment je suis suivi, voilà, en Côte d'Ivoire. Donc, pourquoi est-ce qu'on paye là-bas et puis moi, je n'ai rien, maman? Pourquoi on cotise pour moi? Mais c'est vrai. Regardez ma couverture. Regardez ma couverture. Regardez les chiffres. Regardez ma couverture de communication. Oui. En 28 jours, je suis à 4,9 millions d'audience. Oui. En 28 jours. Vous voyez? Exact. 4,6 millions, mon influence de communication. Voilà. On va rentrer ici. Oui. Il y a un côté où on peut voir les pays où je suis. Voilà. Regardez ça en bas. Regardez les âges. Donc, oui. Regardez Jean, l'âge. Pardon. Homme, femme, âge. Merci beaucoup. Vous voyez, non? Oui. On va basculer un peu. Vous voyez, les femmes, ici, ouais. On va basculer encore. Pays, Côte d'Ivoire, regardez, exact. J'ai 125 000 personnes en Côte d'Ivoire. Ouais. Après, sur la France, après le Burkina, même la France et Burkina sont égaux, ouais. Sur ma page. Ouais. Vous voyez, alors qu'il y a beaucoup d'Ivoiriens ici. Mais je suis très suivi au Burkina Faso. Mm-hmm. Et je suis suivi au Mali, dont le Burkina vient avec le Mali. Mm-hmm. Vous voyez? Donc, j'ai 125 000 personnes qui me suivent sur cette page-là de Côte d'Ivoire. Mm-hmm. Donc, s'il y avait seulement 20 000 qui coûtaient seulement que 3 euros, là. Mais c'était bon, puisque l'information vient de sous de Paris. Vous voyez? Regardez Abidjan seulement. Abidjan. Je suis à 97 000 personnes. Abidjan, ouais. Je suis à 97 000 personnes qui me suivent sur cette page Facebook. C'est-à-dire que les abonnés, hein, je n'ai pas dit ceux qui me suivent, je parle d'abonnés. C'est-à-dire qu'il y en a qui me suivent, mais ils ne sont pas abonnés, parce qu'ils ont peur de s'abonner. Mm-hmm. Je ne veux pas qu'on les retrouve. Donc, regarde ici, là. Je suis à Abidjan seulement à 97 000 personnes. À Boaké, ouais, il y a Boaké à tout. Hein. Bamako, c'est là. 11 000 personnes à Bamako. Ouagadougou, 13 000. Vous voyez? Mm-hmm. Vous voyez? Donc seulement Abidjan seul,
Moi, je couvre 97 000 personnes seulement en abonnés d'une part de 200 000 personnes. Je dis bien, d'une part de 200 000 personnes. Regardez la vidéo de Blé Koudé. Et de partager. 997 000 Deux secondes. Ouais. 1 300 000 vues de Blé Koudé. 1 300 000 vues. Ouais. 1 300 000 vues. En moins d'une semaine. Regardez maintenant. Vue de la vidéo de 3 secondes. 900, près de 1 million de vues. Vous voyez? Mm-hmm. Voilà. Voilà pourquoi les opposants, quand ils partagent les vidéos, je suis la force de frappe. Mon grand frère, on est en deuil, pardon. Il ne faut pas commencer à nous faire rire. Non, ça fait mal. Ça fait mal. Parce que quand nous voyons que la RTI ne joue pas son rôle régalien et que nous sommes obligés nous-mêmes d'avoir des certitudes et que c'est les chaînes internationales qui sont venues de confirmer et que les proches même ont peur de parler et que la RTI est censée jouer un rôle et que moi, je suis obligé d'être appelé par et parti par là. Sous les c'est vrai, sous les c'est faux, il y a un problème. Voilà pourquoi je vais parler. Ma dis-nous un petit peu ton mot de revoir et ça, avec toi quand on va couper le direct avec le papa Bédier, nous allons ouvrir une tribune si Dieu le veut. Ce soir, nous avons voulu à chaud échanger comme ça pour qu'on nous annonce le deuil. Dès qu'on aura le deuil là, on va faire une tribune spéciale du président Bédier et puis chacun sera là. On va lancer TikTok, on va lancer Facebook, 4 téléphones, 2 tablettes en direct. Et mon téléphone, comment dire, mon ordinateur portable de la maison. On sera connecté en 4 heures. Si Dieu le veut, durant un hommage appuyé d'un direct spécial de Djibokro à Bondoukou, à Tomodi, à Sefra, à Ifassi, à Gabiadji, à Abidjan, à Nyakaramadougou, partout. On va essayer d'intervenir. Quel est ton dernier mot pour qu'on puisse couper le direct, papa Pisseur? Mon dernier mot, c'est d'adresser mes condoléances à toute la nation ivoirienne. Pas seulement au PDCI, à la famille biologique, mais aussi à la nation ivoirienne, parce qu'on a tous perdu un père, un grand homme. La dépouille, la dépouille vient de quitter. La dépouille vient de quitter. La dépouille est arrivée à Ivosep. À la PISAM. La dépouille. Attends, Fatime, voilà. La dépouille est arrivée à la PISAM. Nous avons les vidéos qui sont là, où vous savez que. Non, bon, la dépouille a quitté la PISAM pour l'Ivosep. Ah bon? Oui. Eh, Seigneur. On a la vidéo qui a été balancée là où tu es là, oui. Où il y a la dépouille à Ivosep. À Ivosep. Mais je pense que c'était dans le cadre familial. C'est triste, c'est triste, c'est triste, c'est triste, c'est triste. C'est fort. C'est fort. C'est fort. Je tenais ici. Vraiment, à travers vous, je vois que c'est rare de voir des personnes ici connectées à cette tentative, puisque je sais qu'elles se lèvent très tôt. J'ai pris ici, pour exemple, mon cher frère Moustapha, mon chef shérif est là. Je vois également Stéphane, Fatim Diamant, tout, les personnes qui se lèvent très tôt, qui sont dans le domaine médical, qui sont là jusqu'à minuit, qui se lèvent très tôt à 6h du matin, et qui ont des patients, des patientes. C'est des personnes qui sont dans le corps médical pour certaines et pour certaines qui se battent pour. C'est les hommes d'État, c'est les femmes d'État qui s'occupent au nom de l'État des personnes. Voilà, donc il faut vraiment leur rendre hommage d'être ici en direct. Donc nous allons abréger la souffrance. Votre champion est KO ce soir, KO au niveau mental. Mais je peux vous rassurer que nous serons là. Nous allons ici avec vous faire le deuil. On va faire le deuil. Ce soir-là, c'était juste la nouvelle que nous avons appris. Nous attendons les voix autorisées du président Guillaume Soro, son fils, de la famille biologique, du PDCI FDA, famille politique qu'il a dirigée, sans oublier de l'État de Côte d'Ivoire à travers le gouvernement. Quand nous allons avoir les publications de ces personnes et entités étatiques, partis politiques, de son fils, le président Guillaume Soro, nous aviserons, nous allons ouvrir la tribune. Nos amis et camarades du PDCI RDA
viendra rendre un hommage appuyé ici à notre papa, au patriarche. Le gardien, c'est un papa qui est tombé. Vous me connaissez. L'homme a la parole, pas orthogonale, à la parole puissante, et l'homme à la parole engagée, à la parole soutenue. Ce jour-là, Inch'Allah, si Dieu le veut, nous sortirons, n'est-ce pas, le sanglant de dommage à notre Père. Parce que notre Père est parti, nous allons sortir. Effectivement, le corps était à la prison. Le corps était envoyé à Ivoussen, voilà, par hélicoptère. Voilà, le corps était envoyé à. La Côte d'Ivoire a perdu un grand homme. Regardez, il pleut, regardez, il pleut. Regardez, regardez là, il pleut. Il pleut là, regardez, il pleut. Vous voyez, il pleut. Vous voyez, il pleut. C'est que c'est un grand homme qui est parti. Vous voyez la pluie. Vous voyez la pluie? Vous voyez la pluie, non? Le président Bédier, il nous dit au revoir. Ouais, il nous dit au revoir. Vous voyez, il pleut, nous sommes là. C'est les signes. Parce que nous, les Bantous, nous connaissons les signes. Nous connaissons les codes. Alors, vous voyez, c'est pas parce que c'est, on va dire non, parce qu'il pleut. Nous, on est trop super, on est trop émotionnel, non. Ok. Il y a une erreur. Il y a une erreur, c'est que, comment dirais-je? Ah, ok. Il a été transféré, comment dirais-je, à Ivoussep sans hélicoptère. Donc, faut pas, il y a eu une identification. Donc, frères et sœurs, je vous souhaite, je vous adresse une nuit de douleur. Parce que demain, même à minuit, 3h du matin, 4h du matin, vous allez vous réveiller avec, voilà. Vous dites, mais attends, Sévère est parti. On se verra demain si Dieu le veut. Avec beaucoup de tristesse. Merci beaucoup à vous tous. Fatima le Diamant, Alicia. Merci beaucoup à vous tous. Ma voix est partie. Mais j'ai pleuré. Ma photo est là, avec le vieux. Avec mon père. Il savait. Quand on l'a. Ce monsieur, c'est un bluffeur. Quand je l'ai vu pour la première fois, j'ai vu un papa. J'étais le porte-parole de la délégation. Il était assis. Il est là. Le patriarche. Celui qui est là. Mon téléphone est. C'est éteint, mon téléphone est éteint. Mon téléphone est éteint. Vous voyez, je suis éteint. Je suis complètement déchargé. Et donc, quand je l'ai vu pour la première fois, mes camarades, on va les appeler demain. Inch'Allah, si le président Guillaume Soro, le PDCI, et l'État de Côte d'Ivoire fait son et s'ils font leur communiqué, on va sortir maintenant officiellement. On va porter notre deuil. On va rendre hommage positivement à un homme qui a vécu. Vous faites des confidences très importantes. Merci beaucoup à vous. À demain. Dis donc. C'est qui ça encore? Tant bien tout là même. C'est qui ce villageois là? Yul Togo. À demain. Que Dieu accueille notre papa. Que nous, on n'a pas encore reçu encore la nouvelle. Quand on va recevoir, nous aviserons. Les condoléances à vous tous. Mes followers, mes followers à vous tous. Ma communauté, mes condoléances à vous tous. Mes personnes, mes condoléances à vous tous. Depuis le Burkina Faso, depuis le Gabon, depuis Abidjan, depuis le Mali, depuis la Guinée, depuis le Niger, les condoléances. Soutenez notre président qui est parti. Donc, je vous attends. Mettez le chemin que de cœur. Pas de pleurs. Ça bloque la page. Merci beaucoup à vous. Inch'Allah demain.